situé dans cette zone, au milieu des dunes, il y a des villages pauvres, il n'y a pas d'emploi, qui n'avaient même pas l'eau, qui n'avaient même pas l'électricité. Et grâce à l'apport français, ces villages ont pu obtenir des services communs, eau, électricité, mais surtout, on a créé des emplois, parce que ce sont les villageois qui ont été employés, qui ont été formés ici, et qui maintenant, comme vous pouvez le voir, sont les restaurateurs, sont les conservateurs. Il s'agit aussi de donner des espoirs de vie aux populations. Donc, il s'agit également de développer d'autres activités annexes, de faire des programmes de formation pour l'accueil, à récupérer leur identité culturelle, à pouvoir présenter aux touristes ce site. Il y a aussi un programme de mise en place de l'iconographie que nous avons retrouvée. Les signes, les symboles qui ont été découverts ont été mis sur des céramiques. Un atelier de céramique a été créé dans le but de former et de faire des petites entreprises. Voilà un petit peu l'ensemble de ce qui a été fait dans ce site.